be like, there she go. I be like, there she go. She can't stand these hoes. She don't even know. She the only one I want. She don't know she got me chasing. When I see Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, tout se passe bien pour moi. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo footballistique, comme vous pouvez le savoir, pour ceux qui suivent l'actualité football. Aujourd'hui, vous devez savoir pourquoi même je mets le maillot du Cameroun. Mais évidemment, parce que voilà, bon, je vais vous dire tout de suite. Et voilà, je suis quand même content pour les clubs français, évidemment, parce que moi, je suis lyonnais, je suis content que Lyon est toujours là, même s'ils vont se faire sauter tôt ou tard, si ce n'est pas Manchester City qui va nous faire sauter, ou une autre équipe. Mais pour moi, on va sauter. On n'a pas d'équipe pour aller en finale, pour moi. Mais attention, la chance est toujours là. Tout est possible. Là, aujourd'hui, il y avait le match Paris contre, bon, on va dire l'Atalanta Bergane contre le PSG. Mais c'est un match qui a commencé nul. Directement, Paris se fait prendre un but en contre, direct. Et un but normal dans une carte. Je ne sais pas comment il a tiré le gars sur le côté, le plat du pied, je ne sais pas. Je vois, il s'est rentré. Le gardien, il a été dépassé. Et tout le long du match, qu'est-ce qu'ils ont fait, l'Atalanta Bergane? Cette vieille équipe, de, je ne sais pas d'où elle sort. Bon, c'est une équipe de football qui a déjà tenu l'Italie, la Juventus. Ce que j'ai vu, c'est qu'ils ont fait un match nul contre la Juventus 2-2. Et bon, ils ont fait des beaux matchs, mais ce n'est pas la plus grosse équipe. Mais il y a des jeunes qui ont fait la première fois la Ligue des Champions, qui connaissent à peine la Ligue des Champions, et qui ont tout misé, toute leur puissance dessus. Mais bon, voilà, là aujourd'hui, le problème, c'est que c'était Paris qu'ils rencontraient dans leur chemin. Donc, ils pensaient les éliminer facilement. Ils ont marqué un but, ils ont dit, on va jouer la défense, on va tout barrer, on va essayer de mettre quelques attaquants. Ils ont mis des attaquants dans les dernières minutes de jeu, ils ont fait jouer des joueurs qui peuvent partir en flèche et tout, et ils ont tenu. Moi, ce que je me suis dit, là, en ce moment-là, je me suis dit, bon, normalement, Paris, ils vont égaliser, c'est bon, la deuxième mi-temps et tout. Je vois, ils n'arrivent pas. J'ai dit, je commence à m'énerver, à me dire, mais c'est comment ça? Et ils sont encore sortis. Limite, je commençais déjà à les insulter, Paris. Je disais, c'est foutu. J'ai insulté, je disais, tous les années, c'est pareil, nanana. Et là, c'est pas que c'est tous les années, c'est pareil. Là, si tu m'aurais dit, c'est contre Manchester ou contre le Bayern aujourd'hui, qui est puissant, contre Barcelone et tout, j'aurais dit, c'est quand même normal, mais quand même, c'est tous les années pareil. Ils perdent tout le temps, tout ça, machin. Mais là, c'était pas un gros, une grosse équipe. C'est une équipe qui savait jouer au foot, mais ce n'était pas une grosse équipe, ce n'était pas un grand nom. La Tenerife à Bergame, qui le connaît, c'est une équipe de football, c'est tout. Ce n'est pas une grosse équipe qu'on connaît aujourd'hui. Et puis du coup, ils ont tenu, dès qu'ils ont marqué ce but, ils ont tenu jusqu'à la dernière minute. Moi, j'ai pété le plomb, j'ai tout éteint, tout ce que vous voyez là, j'étais dans le noir, j'ai tout éteint. J'ai dit, mais ah, c'est bon, il m'énerve, j'allais presque même péter ma télé derrière, j'allais tout péter. J'ai tout éteint et après, je me suis dit, c'est fini. Et je voyais les arrêts de jeu arriver. On était à 86 minutes. J'ai dit, c'est foutu, ils ne vont plus rien faire. Pareil, les autres, ils vont tenir, on met un mur derrière. Ils ne vont même plus avancer, tout. Et après, j'ai tout éteint. Après, comme moi, je suis curieux, je me suis dit, bon, je vais quand même confirmer, voir qu'ils ont bien perdu 1-0. Parce que, tu sais, vous savez bien que dans les applications, quand on voit que le match est fini, les chiffres se mettent en noir. Quand ça se met en noir, ça veut dire que c'est fini. Par exemple, s'il y avait marqué 1-0 en noir, et bien c'est que le match est fini. Et quand c'est marqué 1-0 en rouge, ça veut dire que le match est toujours en cours. Et vous voyez les minutes qui défilent. Et du coup, je regarde, et ça fait ça, 2-1, c'est quoi ça? Et on était dans les arrêts de jeu presque. Je dis, non, qu'est-ce qui se passe? Après, du coup, j'ai tout rallumé, j'ai mis même l'équipe, que c'est même pas l'équipe que je regardais le match en direct et tout. Et là, du coup, j'ai mis l'équipe et tout. Et après, je dis, non, qu'est-ce qui se passe? Et après, ils disent, Paris gagne, on est dans presque les arrêts de jeu et tout ça, machin. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Je dis, c'est moi qui déconne ou je rêve ou quoi? Peut-être c'est moi, j'ai pas pris mes cachets ou je sais pas, je suis fou peut-être. Et après, je vois bien, Paris gagne 2. Je dis, non. Après, déjà, j'étais choqué dès que j'ai vu mon pourcentage avec Kling, ça a changé le score comme ça. Je dis, non, c'est quoi ça? Et après, j'étais choqué, j'ai commencé à péter. Je dis, non, j'étais tout content et tout. Et puis les amis, pourquoi je suis content? Parce que aussi c'est un Camerounais, un Mbappé qui a passé la... Je suis un peu perdu comme je parle, je suis tellement dans les émotions. Et je suis perturbé, excusez-moi. C'est Mbappé qui a fait la passe à Choupo-Moting et c'est deux Camerounais. Parce que
Mbappé, c'est un origine camerounais, algérien, enfin, connaissait très bien sans ses origines. Et du coup, il a fait la passe à Choupo-Moting, et Choupo-Moting qui a marqué. Donc, c'est pour ça que je mets le maillot du Cameroun et vive le Cameroun. Tu vois, voilà, quoi, je suis content, je suis fier d'être Camerounais, quoi. Voilà, je vais quand même être content d'être d'origine camerounaise. Voilà, je suis heureux, franchement. Là, c'était un match, franchement, pourri, mais qui s'est bien terminé, quand même, comme Lyon. Et un match pourri, mais qui se termine bien à la fin, c'est ça. Mais ça a mal commencé, on ne savait pas. Et quand Mbappé est arrivé, il a commencé à foncer. Pourtant, moi, je ne comprenais pas. Le gars, il est blessé. Je pense qu'il s'est foutu. Il n'avait pas joué tout. Ils l'ont fait jouer. On ne dirait même pas qu'il était blessé. Je dis non, c'est le gars, il n'est pas blessé. Il arrive, il rentre. Flouk, flouk, flouk. Il dépasse tout le monde. Il tire presque. Il allait marquer. Après, il refait le même geste. Flouk, flouk, flouk. Il dépasse tout le monde. Flouk. Je dis, ah, il n'est pas blessé. Lui. Ils ont dû le piquer bien tranquillement. Lui faire une bonne piqûre pour qu'il soit à 100% direct. Et puis, il avait la rage. Et ça, j'aime bien les joueurs comme ça qui ne passent pas le temps. Le TGV, moi je l'appelle le TGV, il fonce seulement, on ne veut pas y discuter. Flouk, 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 comme moi je dis d'habitude, tous les joueurs, flouk, 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 et après il arrive au gardien, boum, bon, il rate. Mais à force de faire ça à fond, et bien ça finit par rentrer. Et là il a fait à fond jusqu'à, bon, il a fait la passe à Choupo-Moting, et Choupo-Moting a terminé le match, et puis voilà quoi. Voilà pourquoi je suis content de dire. La vidéo est une vidéo franchement qui a failli ne pas se faire aujourd'hui. J'étais tellement déprimé, si j'avais fait une vidéo, c'était pour insulter Paris. Mais là, je suis quand même content, le parcours est parfait et ils ont bien joué à la dernière minute, ils sont réveillés et ils n'ont pas eu passé le temps grâce à Mbappé, grâce aux deux Camerounais bien sûr. Et voilà, je suis content. Et puis voilà, pour finir la vidéo, je vous confirme bien que si je suis content pour ça aussi, il y a un but aussi. J'ai fait un côté match les amis, et ben oui, sinon je n'allais pas tout casser, je n'allais pas être énervé, j'allais être limite calme comme je fais souvent les vidéos, vous connaissez très bien, et oui. J'ai fait un côté match, je vais vous dire, normalement le côté match ça va être marqué ici, dans la vidéo ici, voilà, que bon, vous allez voir c'est marqué, j'ai mis l'Atalanta Bergame perdant contre Paris, pour moi c'était 1-0 pour Paris, au moins 1-0 ou 2-0, et ils ont fait le 1-0, 2-0, et voilà, et Bayern contre Chelsea, ils ont gagné, ils ont explosé le score, je ne sais plus si c'est 4 ou 6 ou je ne sais plus, mais... Le Bayern a explosé Chelsea, ouais, c'est ça. Et j'avais mis Leverkusen qui a gagné 1-0 un match de Coupe d'Europe. Ce n'était pas le match qui est passé là, mais l'autre match avant-dernier. La Coupe d'Europe qu'ils avaient joué contre Leverkusen, avait joué contre Rennes, ouais, enfin je ne sais même pas le dire l'équipe. Et puis ils avaient gagné 1-0. Et Manchester aussi qui avait joué contre l'Azic, je ne sais pas quoi. Enfin, c'est marqué hein, les noms. Et puis voilà, j'ai mis ces équipes là, tranquille. Voilà, j'ai gagné. J'ai gagné, ben, je peux vous dire, 500 euros, 500, 500, 500, 510 euros. Voilà, regardez, les preuves sont là, hein, commencez pas à dire que je triche et tout, les preuves sont là, regardez. On voit pas très bien, hein, il faut attendre que le flou part, je pense. C'est malheureux ça, on voit pas très bien, on peut pas bien voir. Enfin bref, on voit pas très bien le côté match, mais... Évidemment, il y a bien les équipes et tout. Voilà, je vais aller chercher mon argent. Si vous voulez revoir le billet du côté match, je vais le faire en snap, dans mon snap, sur mon Snapchat, et je vais le mettre sur ma story comme ça. Moi, si certains croient que j'ai pas gagné, vous allez bien voir que c'est bien marqué 500 euros et que j'ai gagné. Voilà, et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Quant à moi, je vais dormir bien tranquillement. Puisque demain je vais chercher mon fric. Et puis voilà, je suis bien. Voilà, ben, ça arrive quand maintenant je suis chanceux et que je sens les choses. Je suis sorcier. Moi, un sorcier comme moi, il gagne souvent. Donc voilà, j'ai fait ma sorcellerie. Comme avec mes cousins, j'en parle souvent. Quand je fais ma sorcellerie, ça marche. Voilà. Bon, ben voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Moi, je vais chercher mon fric. Et vous, passez de bonnes vacances. Prenez bien soin de vous. Moi, je bois un peu. Et puis voilà. Ah, je suis bien. Maintenant, je suis content. Je passe. Une très bonne soirée j'ai passé, puis voilà. Allez, salut pour la prochaine vidéo, les amis. Et une vidéo de bonne qualité, bien sûr. Je vous... Surprise pour la prochaine vidéo. Vous allez voir pourquoi. Je vais rien vous dire. Allez. Every time she walk by, I can see in her eyes. Shawty be feeling my vibes. I be like, there she go.